Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Eve, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais utiliser Wisdom of the Oracle, pardon, de Colette Baron Red. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est le dos des cartes. C'est plein de poésie. Ce sont des créations de Jenna Della Crota qu'il y a. Allez, c'est parti. Eh bien, ce sera celle-là. La tribu. Je vous montre belles illustrations. Ah, ça me fait penser à une des cartes qu'on a eues cette semaine. C'est une carte qui nous parle en fait de trouver notre place au sein de la société, et ça passe souvent par une communauté. Alors une communauté, ça paraît bien large, mais ça peut être tout simplement des amis, un groupe d'amis, sa famille, mais la famille aussi de cœur, hein, celle qu'on choisit. Ça peut être une communauté liée à une activité ou un loisir ou à un sujet qui nous intéresse particulièrement, hein. Ça peut être de l'ordre de la spiritualité, artistique, je sais pas, un groupe Facebook, sur YouTube, peu importe. C'est en tout cas de trouver sa place au sein de cette communauté-là et de s'y ressourcer. Et dans cette communauté-là, on a l'impression d'avoir notre place, où chacun a un rôle à jouer, où chacun se respecte, et où chacun a à apprendre de l'autre, et où chacun a aussi à offrir certaines choses aux autres. Donc c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que vous vivez particulièrement, mais peut-être regardez plutôt les choses positives de cette communauté. C'est vrai que d'un point de vue relationnel, si on est en conflit ou on ne se sent pas bien, on a l'impression d'un point de vue plus personnel de ne pas trouver sa place. On peut parfois se ressourcer justement dans cette communauté, alors comme je dis c'est un mot large, ou dans cette famille que vous avez choisie, en s'y sentant bien et en valorisant chacun ses propres qualités, les qualités des autres. Ah, c'est marrant parce que c'est une carte qui est, en tout cas moi personnellement, déjà sortie. Par exemple, je vais vous expliquer comment, c'est que j'avais un souci vraiment qui me travaillait, et puis finalement on m'a dit la communauté, et je n'ai pas compris tout de suite, et finalement c'est la communauté qui m'a apporté la réponse, la solution à mon problème. Donc vous voyez comme ça peut être intéressant, donc ça peut être interprété de manière totalement différente. Si vous vous sentez pas bien actuellement d'un point de vue personnel, peut-être que vous allez retrouver du réconfort auprès justement de cette famille que vous aurez choisie. Si vous vous sentez dévalorisé, peut-être que ça va être en contribuant, en partageant, dans l'échange et le partage avec d'autres, que finalement vous allez vous sentir mieux et avoir l'impression de trouver votre place, parce que c'est toujours valorisant d'offrir, de donner de soi. Peut-être que également, si vous avez un problème, d'oser en parler à une communauté qui va peut-être vous trouver, vous apporter des solutions. Et puis peut-être tout simplement passer du temps avec vos proches, avec votre famille, et c'est là que ça rejoint le message qu'on a eu également cette semaine, pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Il y a toujours beaucoup de bon dans le partage, et puis dans le fait de trouver sa place dans une sorte d'espace où chacun a un petit rôle et où chacun, par sa singularité finalement, trouve sa place, s'en valoriser et accepter tel qu'il est. Parce que chacun d'entre nous, chaque individu est exactement pareil, c'est-à-dire se pose aussi certainement des questions sur des sujets un peu similaires ou différents, mais en tout cas se demande quelle place il a, cherche vraiment sa place dans le monde, et puis en échangeant
vigilance, avec cœur et sincérité sur ce qui nous travaille, ce qui nous perturbe. On se rend compte que certaines personnes ont à offrir certaines réponses, d'autres réponses de manière différente. Et puis c'est la tolérance et puis l'ouverture d'esprit qui fait qu'à un moment donné, tout ça, ça fusionne. Et puis ça donne des sortes d'échanges qui sont très constructifs, qui sont bénéfiques, qui irradient finalement de belles énergies, qui viennent réchauffer notre cœur. Et puis s'il y a une sorte de cohésion comme ça, ça peut être aussi un travail d'équipe. Par exemple, si vous êtes en plein boulot et que vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à un projet qui va vous permettre de réussir ce projet-là et d'aller de l'avant. Donc voilà, donc la tribu, c'est ça. Et puis je vous fais des gros bisous et puis j'espère que vous allez aujourd'hui vous sentir vraiment entouré et soutenu par cette tribu, la tribu que vous aurez choisie. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée.